13 Ghost est un jeu minimaliste de déduction et de bluff. Les joueurs doivent retrouver quelle carte se cache dans la crypte de leurs adversaires, tout en gardant la leur secrète. Cette règle concerne la version 3 joueurs. Le paquet de cartes fantômes est mélangé et placé au centre de la table. Chaque joueur pioche 2 cartes et en pose une devant lui face cachée. Cette carte constitue sa crypte. La carte restante reste en main. Dans 13 Ghost, un tour est séparé en 2 phases. Une phase d'action, une phase de pioche. Lors de la phase d'action, le joueur actif pose la carte qu'il a en main. Il peut la jouer. Phase visible, pour activer sa capacité. Les capacités permettent généralement d'en apprendre plus sur la crypte de ses adversaires. Phase cachée, pour attaquer. Le joueur annonce un chiffre entre 1 et 13. S'il s'agit de la carte présente dans la crypte de l'un de ses adversaires, il l'élimine. Sa carte en main n'est pas révélée. Le ou les joueurs survivants gagnent 1 point. Les capacités comme les attaques s'appliquent à tous les adversaires. Lors de la phase de pioche, le joueur pioche une nouvelle carte. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Le premier joueur qui possède au moins 6 jetons remporte la partie. En cas d'égalité, celui qui en a le plus gagne.